accès au message. Salut Ava, tu nous as manqué au club Pokémon. Message suivant. Tu as encore loupé le club Pokémon, tu nous manques. Message suivant. Félicitations, tu es invité à participer au championnat du monde Pokémon. Message effacé. J'arrive pas à croire qu'elle a vraiment renoncé. Abandonner le club Pokémon, c'est un peu extrême, non? Tu devrais aller lui parler. Oh, ma puce. Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles. Chérie, il faut que je te dise quelque chose. J'étais une joueuse Pokémon de compétition! Oui, je sais. Comment? Sinon, pourquoi tu aurais toutes ces vieilles cartes Pokémon? Vieilles? Enfin bref, c'était le combat le plus important de ma vie. Ma famille, mes amis, toute l'école. J'avais annoncé à tout le monde que j'allais gagner. Et puis... c'était cool. À mon tour, maintenant. Pika! Super parti. Pika, Pika! Et je n'ai plus jamais joué aux cartes Pokémon. Oh, maman. Je me faisais du souci parce que je ne voulais pas que tu sois blessée, toi aussi. Mais en te voyant jouer, c'est drôle, tu m'as redonné espoir. Tu m'as rappelé ce qu'il y avait de plus important dans ce jeu. On voyait vraiment que tu t'amusais comme une folle en jouant avec tes amis. Oh, maman. Maman, il faut que j'y aille. En arrivant ici, je savais pas comment j'allais m'intégrer. Jusqu'à ce que je te rencontre, Jonas. Puis j'ai joué aux championnats régionaux contre toi, Célestine. Où tu veux en venir? Eh bien, j'ai gagné, je me suis fait des amis, mais après quelques temps, tout ce qui m'importait, c'était de gagner. Quand j'ai perdu aux championnats internationaux, j'ai cru avoir tout perdu. Vous aviez même échangé vos plus super cartes, des cartes ultra rares, entièrement illustrées et des cartes promo uniques. Tout ça pour que je perde. Et puis j'ai réalisé que c'était pas la victoire qui comptait. C'était nous tous. Pardon d'avoir mis autant de temps à le comprendre. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé que je n'irai pas aux mondiaux. Quoi? Ah ? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'irai pas sans mes amis. Waouh! On va au championnat du monde! Là, j'ai bien failli te croire. Vous m'avez trop manqué. J'arrive toujours pas à croire qu'on est vraiment ici! Venez, ça va commencer! La plupart des joueurs et des joueuses ne reviennent pas quand je les ai éliminés. Laisse tomber, Troy. Je suis venue pour m'amuser avec mes amis. Ah oui? Bah, tu sais quoi, Ava? Moi, je suis là pour une chose. Prouver que je suis le meilleur joueur du monde. M'amuser n'entre pas en ligne de compte. Alors j'espère que tu vas te déchaîner un peu plus que quand tu as joué aux championnats internationaux pour que je puisse t'écraser devant tout le monde. Tu vas regretter ces paroles, Troy. Bon, allez, à la prochaine. Si tu y arrives... Je crois que ça ira. Dresseurs, dresseuses, préparez-vous au combat! Si ton joueur est sélectionné par un des
Elle s'amuse, c'est tout. C'est quoi ton problème? On peut savoir. Je n'ai pas de problème. Je joue tout simplement comme j'en ai envie. Eh bien, tu joues comme une nouille. Ça n'a aucune importance. Je n'ai pas besoin de gagner pour être heureuse. Je suis déjà bien contente de savoir que ma famille et mes amis sont là pour m'encourager. Et je suis heureuse d'affronter de super adversaires tels que toi. Arrête de parler. Je peux juste te poser une petite question, Ava? Pourquoi tu joues si c'est pas pour gagner? Il l'a fait! Edgar Trois, une carte de supporter qui lui permet de flocher trois cartes! Encore un seul coup, Edgar aura gagné! Je joue parce que... c'est amusant. Mais gagner, ce serait pas mal non plus. Ah bah, une carte stade! Ton mystère, ce joueur, la suffira-t-il? Quoi? Je ne peux plus. Je ne peux plus faire quoi que ce soit. Edgar, tu sais quoi? Joue de tout ton cœur. Ouais! Wow!
pourrait résister. Bien joué. C'était très amusant.